y a plein de programmes. Le pays catalan, un territoire oublié par l'État français, c'est la conviction du sénateur François Calvé qui pointe du doigt l'abandon de la déclaration d'utilité publique de la deux fois deux voies entre Boulternère et Prades. Une route nationale 116 particulièrement accidentogène qui n'est, selon lui, qu'un des exemples de ce désengagement de l'État. C'est la marque de l'abandon des territoires. Et je le vois au Sénat avec mes collègues, nous souffrons depuis plusieurs années de petit à petit, on meurt à petit feu et on vient de nous expliquer depuis le début de ce quinquennat. On est venu ici simplement pour nous dire « Ah ben ça on ne peut pas le faire, ça on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire ». Il y a une reprise économique, malheureusement quand on regarde objectivement les chiffres, cette reprise économique concerne essentiellement Toulouse et Montpellier. Voilà, notre département, encore une fois, n'est pas directement concerné et on ne peut pas accepter donc d'être toujours les parents pauvres de la République française. François Calvé propose donc de réunir l'ensemble des grands élus catalans, toutes tendances politiques confondues. Ce que nous voulons faire, c'est un projet de territoire départemental qui identifie les différents objectifs que nous avons dans chacune des communautés de communes et qui porte de manière forte auprès de la région, auprès de l'Europe, auprès de l'État, auprès de l'ensemble des institutions, les projets pour développer notre territoire. Une conférence de territoire que François Calvé espère bien pouvoir organiser avant l'été.